Le duc de Sussex est attendu ce lundi 30 septembre à Londres pour les Well Child Awards, remise de prix d'une association pour les enfants malades. De retour à Londres sans Meghan et ses enfants, le prince Harry doit assister à une cérémonie de l'association Well Child pour les enfants malades, qu'il parraine depuis 2007. La question que se posent les tabloïds britanniques ce lundi, est évidemment de savoir si Harry aura le temps de voir son père le roi Charles, et son frère le prince William. Et si ces derniers seront disposés à le rencontrer. Pour le Scottish Daily Express, il est peu probable que le roi, qui séjourne à Balmoral en Écosse, fasse le trajet pour voir son fils. Le quotidien précise également que le lieu de la remise de prix de l'association Well Child a été tenu secret, pour des questions de sécurité. Pas de protection. En effet, le prince Harry ne bénéficie plus d'une protection systématique financée par les contribuables britanniques lorsqu'il revient au Royaume-Uni, depuis qu'il n'est plus un membre actif de la famille royale. La possibilité de financer lui-même sa sécurité lui a également été refusée. Les Well Child Awards célèbrent les initiatives remarquables d'enfants et de jeunes, malgré la maladie et le handicap, mais aussi le travail des soignants et des professionnels de santé. L'association finance à travers tout le pays des programmes d'aide aux familles d'enfants malades. Le prince Harry, qui parraine cette association caritative depuis 2007, a déjà assisté à 12 de ses remises de prix. Sans Meghan. En 2019, alors qu'ils vivaient encore au Royaume-Uni, les Sussex avaient tous deux assisté aux Well Child Awards. Le prince a assuré ces derniers temps plusieurs engagements officiels seul. Il s'est ainsi exprimé lors du sommet de la Clinton Global Initiative à New York sur les dangers des réseaux sociaux. Il est également peu probable que Harry voie son frère William. Tous deux se sont croisés en août aux funérailles d'un de leurs oncles et ils ne se sont pas adressés la parole. Les frères ne se sont plus parlé depuis la diffusion du documentaire Netflix Harry Meghan et la parution du suppléant, Les Mémoires de Harry. Le duc de Sussex n'y épargnait pas son frère et racontait notamment une scène au cours de laquelle William l'aurait jeté au sol.